comment réussir à garder ses éches pêchantes le maximum de temps possible. Et je ne dis pas pêchable toute la nuit parce que ça devient complètement impossible, que ce soit au plastique, à la tiger, quand elles ne sont pas encore en trop grande quantité comme ici. Tiger, plastique, le super wrap sur les bouillettes, mais à un moment ça se fait découper aussi. Donc là, ici, ce n'est pas encore trop agressif. J'ai la possibilité encore de faire de plusieurs variantes. Donc je peux changer la couleur du plastique qui est dessus et ça c'est très important parce que même ici on voit qu'on a une eau assez claire en bordure. On a des poissons qui sont de générations différentes et qui peuvent se nourrir encore à vue. Donc je mets du blanc, je mets du rose, je mets du jaune. J'équilibre aussi ou pas, ça dépend. Là je suis repassé ce matin sur des éches qui sont plutôt sur le fond d'ailleurs. Et aussi ce que j'aime bien c'est faire baigner mes plastiques dans du goût. Et ça fait aussi parfois la différence, l'arôme. Donc voilà, il faut chercher la couleur qui fonctionne le mieux. J'ai eu quelques touches sur du blanc, mais pour l'instant, c'est toujours le jaune qui est le plus prenant.